la ville, je crois que c'est la pudeur, parce qu'il y a une espèce d'histoire qui circule où une demoiselle au volant avait été remarquée par François Ier lorsqu'il avait traversé la ville, et pour ne pas passer à la casserole, elle avait préféré se balancer de l'acide au visage. Donc il y a une légende comme ça, voilà. Ça n'a rien à voir avec la littérature, mais quand même un petit peu, c'est une histoire. J'avais jamais envisagé la ville comme ça, comme un corps vivant, comme un personnage. Non, mais Manosque, c'est une ville assez cachée, assez secrète. Et les choses ne sont pas apparentes comme ça. Il faut fureter, prendre son temps, et on finit par trouver les endroits. C'est la lecture, c'est une évidence. Depuis une vingtaine d'années, ça me semble très clair. Écoutez un bon comédien qui lit un texte. Manosque voudrait être au bord de la mer. Non, je dis n'importe quoi. Ça pourrait être pratique. C'est une facilité, mais ce serait un personnage issu de Giono. Pardon pour la banalité, mais elle s'impose. Une en plus, une vraie, mais je la connais pas. Il y a un symbole avec quatre mains aux entrées de ville, mais j'ai encore oublié à quoi ça correspondait. Mais avec un peu de recherche, ça doit pouvoir se retrouver, mais là, à l'instant, je peux pas. C'est d'être la ville des correspondances, évidemment. Non, c'est une blague, hein. Je le dis non, pas sérieusement. C'est très bien aussi, hein. Okay. Les gens de Manosque, ils ont tous à l'esprit une publicité des années 70 qui se terminait par « Emmène-moi à Manosque ». Donc je pense que « Emmène-moi », c'est un truc qui traverse les esprits des gens qui habitent ici. La pluie pendant les correspondances, je la redoute. Les soirées avec de la musique qui viennent exalter la beauté de la littérature. Ce festival ne dure que 5 jours. Là, je vais parler en mon nom propre. Il y a plein de livres que j'ai beaucoup aimés, mais il y en a un qui m'a surpris parce qu'en plus, je ne connaissais pas l'auteur. C'est Nicolas Mathieu qui a écrit « Leurs enfants après eux » chez Actes Sud. Et j'ai trouvé ce livre éblouissant de justesse, d'écriture. On revient chez Giono, hein. Mais je ne vais pas prendre un classique de classique, c'est-à-dire je ne vais pas dire Le Hussard sur le toit, mais un de Giono qui est moins connu, mais qui est une sorte de classique tellement... Enfin, il devrait être un classique, ça s'appelle Pour saluer Melville. Futur de Manosque, la 21e édition des correspondances, dont je n'ai pas encore les dates exactes, mais ce sera fin septembre 2019. Je suis nul là-dessus, il aurait fallu que je prépare, que je réfléchisse. J'ai aucune spontanéité sur ce genre de truc. Ah bah, ce que j'ai à dire, c'est qu'elle a vraiment merveilleusement démarré. Que tout ce que j'ai pu entendre, voir, etc. était de grande qualité. Mais je le dis tranquillement parce que c'est le fait des auteurs, des artistes, des comédiens, des musiciens. Et que je sais pas, il y a une belle ambiance, douce, joyeuse, et que voilà, on n'en est qu'à la moitié du festival, mais pour le moment, il me semble extrêmement... il est vraiment réussi cette année, donc ça tombe bien, comme c'est la 20e. Alors ça ne veut pas dire que les 19e ou 21e, on devrait les faire moins bien, mais il y a une espèce de symbolique de l'anniversaire à laquelle on ne peut pas échapper, donc ça tombe quand même bien que pour les 20 ans, l'édition soit plutôt très réussie. Bah ouais, quand c'est passé vite, ouais. Oui, c'est passé très vite, je réalise à peine. Bon, un peu plus, on va dire.